Bonjour les premières quatre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour corriger le sujet du bac blanc sur Baudelaire. Parce qu'il n'y a que Samy qui l'a pris, mais là, au bac blanc, entre guillemets, vrai bac blanc au mois de février, vous aurez le choix, plus le choix, disons, puisqu'on aura travaillé davantage sur la disserte. Sur donc la princesse de Clèves, sachant que je vais vous mettre sur Pronote des liens vers des sujets possibles qui pourraient tomber sur en dissertation sur la princesse de Clèves, de manière à ce que vous ayez du temps pour vous entraîner et éventuellement me rendre votre travail pour que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Donc je vous rappelle déjà le sujet. Je vais y arriver. Donc, super. Hop, voilà, parfait. Donc, le sujet. Dans le poème Le Soleil, extrait de la section Tableau parisien des Fleurs du Mal, Baudelaire écrit que le soleil ennoblit le sort des choses les plus viles. Cette citation éclaire-t-elle votre lecture des Fleurs du Mal? Et ensuite, traditionnellement, il y avait la petite consigne qui est que vous retrouverez toujours dans les dissertations. Vous répondrez à cette question dans un développement structuré. Votre travail prendra appui sur votre lecture du recueil de Baudelaire. Toutes vos citations, enfin pas toutes, la plupart de vos citations devront être prises donc, dans le recueil de Baudelaire. Vous pourrez également utiliser les textes et documents que vous avez étudiés en classe dans le cadre du parcours associé à cette œuvre et votre culture personnelle. La dissertation faisant effectivement appel à votre culture personnelle qui peut être, je le rappelle, hein, aussi bien des livres, mais aussi des films, des peintures, des sculptures, enfin de l'art d'une manière générale. Alors, la première chose à se demander quand on a un sujet comme ça, c'est déjà d'expliciter la citation, puisque vous avez affaire à un sujet où vous n'avez pas simplement une problématique, une question qui vous est posée comme ça, mais à une citation qu'il faut d'abord éclairer. Alors déjà, le terme de soleil, qui est le sujet du verbe ennoblir, peut être compris comme l'image de la transfiguration par la poésie. On avait dit que le soleil, c'était un puissant alchimiste qui permettait de rendre beau des choses qui étaient a priori laides ou repoussantes d'un point de vue moral. L'évocation du sort des choses les plus viles, ça appelle l'attention sur ce qu'elles deviennent sous les feux de ce soleil, et donc par métaphore, sous les feux de l'action de la poésie. Alors intéressons-nous ensuite à ce groupe nominal, les choses les plus viles, qui est complément d'objet du verbe ennoblir. Je vous rappelle que ennoblir, ça veut dire rendre noble, rendre beau, rendre positif ce qui est négatif. Donc ça invite à questionner les thèmes des poèmes du recueil en analysant le superlatif, les choses les plus viles. Est-ce que dans le recueil, il n'y a que des choses viles ou est-ce que dans le recueil, on a aussi de la beauté? Est-ce que donc ça insiste aussi sur l'idée des fleurs maladives? Vous vous souvenez dans la dédicace, hein, dans la dédicace à sa mère, la lettre à sa mère, il était question justement des fleurs maladives. Le sujet peut demander au lecteur de réfléchir plus largement sur ce que cherche Baudelaire par sa poésie. Est-ce que c'est simplement la transfiguration du vil, ou plutôt est-ce que c'est la création à part entière d'un monde entre l'or et la boue dans la poésie et par le langage? Alors, vous aviez évidemment des liens avec le parcours grâce à des termes antithétiques. Le soleil d'un côté, les choses les plus viles, qui renvoyaient au titre du parcours la boue et l'or. Ennoblir avec le préfixe devenir, hein, en, qui veut dire qui signifie une transformation, ça renvoie à l'alchimie poétique, par la métaphore de l'élévation, de la transfiguration qui exalte. Et les textes du parcours peuvent avoir montré que le recueil de Baudelaire a joué un rôle essentiel dans la conception d'une poésie alchimie du verbe, fondatrice de la poésie symboliste et contemporaine. Et là, vous pouviez vous servir de Lautréamont, vous pouviez vous servir de Claudel, vous pouviez vous servir de Ponge pour élargir votre réflexion. Évidemment,
Vous pouvez, quand vous êtes suffisamment sûr de vous, évoquer des connaissances un petit peu plus spécifiques sur l'alchimie, sur la pierre philosophale. Et pensez bien aussi que le soleil, c'est une métaphore. Il ne faut pas évoquer que les poèmes qui renvoient, où il y a le mot vraiment soleil. D'accord? Le soleil, c'est plus vaste, c'est la poésie, finalement. Alors donc, ce qu'on attend d'être vous, pour vous, c'est déjà que vous soyez capable de repérer les fameuses choses les plus viles qui sont au cœur du recueil des fleurs du mal, à travers la laideur et le répugnant, tout ce qui est moisissure, infect, bizarre, monstrueux, immonde. Par exemple, dans une charogne, vous pouviez citer le soleil rayonnait sur cette pourriture. Ou dans une gravure fantastique, il essouffle un cheval, fantôme comme lui, rosse apocalyptique, qui bave des naseaux comme un épileptique. Vous aviez aussi toute la série des spleens, le mort joyeux, plein de poèmes où il est question de la laideur et du répugnant. La laideur, c'était aussi, on l'avait dit, la laideur de la société moderne parisienne qui est pervertie. Donc tout ce qui fait référence aux salles de jeu, à la prostitution. Donc il y avait par exemple le jeu, bon, qui est donc un poème. Et puis vous pouviez citer aussi le projet inachevé d'épilogue pour l'édition de 1861 que nous avions travaillé. Le cœur content, je suis montée sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur. Hôpital, lupanar, c'est les maisons de plaisir, hein, les maisons de prostitution. Purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Vous pouviez évoquer bien évidemment tous ces vices que sont la luxure, le meurtre, l'alcoolisme, la violence, le sadisme, la complaisance dans l'autodestruction. Donc toute la série des spleens, la série des vins, la section fleurs du mal, dans Au lecteur aussi qu'on avait pu étudier, qui ouvre le recueil. Vous pouvez aussi, et là évidemment c'était valorisé parce que ça allait un petit peu plus de manière un petit peu plus profonde, les motifs traditionnels de la morale, comme le memento mori, vous vous souvenez, dans une charogne, on avait parlé de ça, souviens-toi que tu vas mourir, qui est un motif traditionnel de la poésie. Vous pouviez penser aussi à tout ce qui a fait l'enjeu du procès des fleurs du mal dans sa dimension religieuse, puisqu'il y avait une mise à mal de la morale chrétienne, en particulier donc dans les litanies de Satan et même dans tous les poèmes de la section révolte. Et vous pouviez penser à la mise à mal des valeurs bourgeoises, notamment avec l'exaltation du désir, du plaisir, tout ça qui est exacerbé dans par exemple des pièces qui ont été condamnées du style Les Bijoux ou Lesbos. Autre point, on va attendre de vous que vous compreniez que le sort de ces choses les plus viles est effectivement ennobli par le soleil de la transfiguration poétique. Déjà par le simple fait qu'elle soit choisie en tant qu'objet poétique. Pourquoi choisir une charogne comme objet poétique? C'est un peu antithétique. Ensuite, on a chez Baudelaire, et on l'avait vu très très souvent, le recours à des antithèses expressives. Par exemple, dans L'ennemi, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage traversé çà et là par de brillants soleils. Ou dans les différents poèmes que nous avons étudiés, il est question de ces antithèses qui reviennent vraiment très 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 régulièrement dans le recueil. Vous pouviez aussi évoquer les images qui évoquent un flou esthétique qui va transfigurer le monde. Par exemple, dans le premier paysage, dans Tableau parisien, il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre. Ça pouvait rappeler, donc c'est le premier des poèmes de la section Tableau parisien. Vous pouviez aussi penser, et ça c'était vraiment ce qu'il y avait de plus complexe, mais vous l'aviez souvent évoqué dans votre carnet de lecture sur Baudelaire, les correspondances, les fameuses correspondances qu'on appelle les synesthésies.
Vous savez, ces images où on a un mélange des différents sens, la vue, l'ouïe, l'odorat. Par exemple, dans Spleen, un des Spleen, je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de modes surannées, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées, seuls, respirent l'odeur d'un flacon débouché. Donc là, vous avez à la fois l'odeur avec les roses fanées, l'odeur du flacon débouché, mais vous avez aussi les pastels plaintifs, les pâles bouchées, Boucher étant un peintre. Tous les candidats qui pourront repérer l'utilisation de formes poétiques aussi, qui embellissent par leur rythme les images relevant de l'immonde. Par exemple, tout ce qui relève de la musicalité dans Les Fleurs du Mal. Ça y est, le nom du poème m'échappe. L'invitation au voyage, qui est formée avec un refrain, par exemple. Dans Harmonie du soir aussi. Les reprises de vers, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Des expressions aussi où on a des ruptures avec le maître romantique, avec des rejets. Donc, par exemple, dans un bout de la charogne qu'on n'avait pas fait, d'où sortaient de noirs bataillons de larves, qui est mis au vers suivant. Donc ça, c'est assez caractéristique de la modification de la poésie traditionnelle, puisqu'on va couper le vers à un endroit où normalement on ne devrait pas le couper. Et c'est ce qui va faire évoluer progressivement vers la poésie en prose que Baudelaire pratiquera. On verra, enfin, il faudra aussi finalement on va dire un dernier temps, de valoriser tout ce qui montre que dans Baudelaire, oui, il y a de la boue, il y a la transformation de la boue en or, mais on a aussi une esthétique de la tension, une esthétique qui va permettre de réunir la boue et l'or. Par exemple, avec justement l'esthétique des correspondances, dans Parfums exotiques, par exemple, le recours à la dialectique des deux oppositions, le gouffre et l'idéal. Par exemple, vous le trouvez dans La Mort ou dans Danse macabre. Cette esthétique, elle est incarnée par la modernité poétique. Donc ça, on attendrait effectivement que vous essayiez de terminer là-dessus votre conclusion pour montrer que Baudelaire, en fait, on l'a dit, hein, il est le précurseur de la poésie moderne, il est le poète référent de Rimbaud, par exemple, ou de Ponge, ou encore de poètes encore plus contemporains comme Maulepoix, par exemple. Donc cette esthétique, elle est incarnée par la modernité poétique, par le désir de création d'un monde. Non, même pas d'un monde. Le désir de création du monde par le langage poétique. Par exemple, à la fin du voyage, donc le dernier poème des Fleurs du Mal, dans les vers, verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, au enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver de nouveau, et qu'on a illustré d'ailleurs dans le poème Rêve parisien. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées. Et puis donc, je vais vous mettre sur Pronote des idées de sujets de dissertation sur la princesse de Clèves. Alors, il y a les corrections, bien évidemment, mais ce que je vous demande, c'est d'essayer, dans un premier temps, de lire les sujets, peut-être d'en choisir un parmi ceux qui sont traités, et avant de regarder la correction, d'essayer de vous entraîner débroussailler un petit peu le sujet, à voir quel plan vous pourriez adopter avec des sous-parties, éventuellement quelle ouverture vous pourriez faire en conclusion. N'hésitez pas à m'envoyer ce travail, vraiment, ça vous sera utile.
Et je reviens très vite vers vous pour d'autres vidéos que je vais tourner juste après parce que j'avoue avoir été légèrement occupée par les problèmes de Covid de mes enfants. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis, bah, en fait non, pas une bonne soirée tout de suite, je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.